Rachid Gilmanou, mais il y a une chose bien précise. Rachid Gilmanou qui a participé au Grand Prix de La Havane à Cuba, et le vainqueur de cette catégorie des 57 kilos ne sera pas directement sélectionné pour le championnat d'Europe. Il y aura une sélection qui sera effectuée lors du stage de préparation des championnats d'Europe entre Rachid Gilmanou ou Oubrik Amoun ou Anaoui Djamel. Voilà, c'est parti pour 5 minutes. Un combat de lutte gréco-romaine, on vous l'a dit, donc doit pratiquer des techniques uniquement, exclusivement au-dessus de la ceinture. Alors évidemment, en début de combat, il s'agit d'imposer sa garde, bien sûr, pour pratiquer les techniques tête haute, le rouge, là. Les meilleures qui soient. Donc grosse bataille au niveau de la garde. Intervention de l'arbitre, ce monsieur que vous voyez au centre du tapis avec les deux lutteurs. Il est secondé par deux juges qui sont sur les bords du tapis. Et ma foi, les décisions se prennent à majorité. Travail des deux lutteurs, donc en lutte gréco-romaine, vous voyez, travail sur le haut du corps. On va essayer de chercher, travail sur les bras, sur les coudes. Donc on essaye d'amener un petit peu le lutteur à la faute pour essayer ou de l'amener bien entendu au sol ou directement porter une action depuis debout qui lui amènerait ou 3 points, parce qu'on ne peut marquer debout ou 3 points, 1 point ou 3 points ou 5 points. Rouge passif, okay. Une minute de combat déjà et toujours 0 à 0. L'arbitre donne une petite pénalité à Amoun Oubrik. Vous voyez, qui va se mettre au sol, et le lutteur en bleu, Djamel Aïnaoui, va bénéficier d'un petit avantage, dans la mesure où il va se retrouver dessus. C'est un avantage qui est pas du tout négligeable, même si les lutteurs ne marquent pas de points, surtout en fin de combat de 5 ou des 8 minutes, où les juges, s'il y a match nul, partageront les points négatifs des lutteurs, et en particulier les passages au sol et les avertissements. Voilà, donc là sur cette ceinture de côté maintenue, Djamel marque 3 points. Voilà, avec plus un retourné, 2 points supplémentaires. Ce qui porte déjà le score à 5-0. Vous voyez que ça va très très vite. N'hésitez pas à encourager les lutteurs. 10 points à 0 et ça serait la fin du combat, Didier. Il en rajoute 3 de plus. Pourquoi 3 de plus? Il était au sol, il a décollé son adversaire du sol. On va le revoir sur ces images. Peut-être le revoir au ralenti. Pour que vous compreniez bien comment on marque des points. Le combat continue, attention, oui. Il faut peut-être surveiller ce qui va se passer parce qu'on attend maintenant évidemment une réaction de Amoun Oubrik. Djamel Aïnaoui est à 2 points de la victoire par grande supériorité après simplement 2 minutes de combat, un petit peu moins de 2 minutes de combat. Voilà, il maîtrise bien son combat. Quand vous avez un lutteur également qui tente une action qui ne va pas au bout, on remet les deux lutteurs debout. Ou alors, si le lutteur qui tente l'action maintient son adversaire avant de l'amener au sol, on marque un point au lutteur et l'amener au sol est comptabilisé. Djamel Aïnaoui en bleu est dans le club US Métro. Il est champion de France 1994. Il a terminé 5e au championnat du monde junior en 93 et 6e au championnat du monde espoir en 95. A noter d'ailleurs que ces championnats du monde s'étaient déroulés en Iran. À Téhéran, très exactement. Sport très populaire là-bas. C'est le sport numéro 1 en Iran, puisque pour ce championnat du monde qui n'était simplement que junior, il y avait pas moins de 18 000 spectateurs. C'est vous dire. Il reste un petit peu moins de 2 minutes 30 de combat à Amoun Oubrik en rouge pour refaire son retard. Amoun Oubrik, lui, nous vient de Franche-Comté à Besançon. Il était deux fois champion de France junior. Et lui, il rêve d'être champion du monde. C'est un jeune espoir de l'équipe de France. Debout, centre. Avec une belle ambition, devenir champion du monde. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, bien au contraire. On a pu s'apercevoir, Didier, que lors de ce premier combat, toute l'importance d'une pénalité, puisque finalement, eh bien, Djamel Aïnaoui a marqué ses 8 points à la suite d'une pénalité.
Un travail très important aussi à l'entraînement, lors des entraînements, ce travail au sol qui est pratiqué quotidiennement par les lutteurs lors des entraînements à Paris ou dans les clubs, puisque la plupart, c'est vrai, des garçons que vous verrez cet après-midi sont des garçons qui s'entraînent à l'Institut National des Sports, qui sont en centre national d'entraînement. C'est vrai que l'entraînement au sol est une chose très très importante. Rouge action. Une 30 de combat. Rouge action. Là, on voit mal comment... Anouk Brick pourrait revenir maintenant. Zone rouge. Zone rouge. Vous venez d'entendre l'arbitre qui annonçait zone rouge, c'est important. Allez, Didier, oui, dans la mesure où lorsqu'une action est pratiquée dans cette zone, eh bien, il faut qu'il y ait encore un pied, un orteil comme on dit, hein, c'est l'image qu'on donne, à l'intérieur de cette zone rouge pour que la technique soit éventuellement validée. Mais en tout cas, il doit y avoir action dans cette zone. On ne doit pas rester passif sur cette zone rouge. Ou on rentre à l'intérieur du tapis pour montrer qu'on a envie de combattre, ou alors on porte une action dès que l'on a un pied sur cette zone rouge, ou sinon si on sort volontairement, il peut y avoir un point de donné à son adversaire et un avertissement qui peut amener l'adversaire au sol une nouvelle fois. Et vous voyez, depuis cette année au sol, depuis ces 8 points, aucune action n'a pu être portée, et d'un côté et de l'autre. Et oui, ce sont deux lutteurs qui sont vraiment très très proches. Et rouge action. Debout, c'est vrai que c'est pas toujours très spectaculaire. On se rend pas compte de la puissance que développent ces lutteurs pour s'annihiler comme ça. Avertissement, second avertissement pour Ubrik Amoun qui va passer au sol. Et logiquement... Ça peut vouloir dire fin du combat. Voilà. Saisi. Ceinture à la taille. La ceinture de côté, c'est le classique de la lutte gréco-romaine. On voit ça un petit peu partout. Voilà. C'est marqué. 2 points. Et voilà. Les 10 points sont marqués, donc fin du combat. 8 et 2-10, le compte est bon. Vainqueur, Jamel Ainaoui. Eh bien, 1996, son objectif à lui, c'est les championnats d'Europe. Et évidemment, au championnat d'Europe, terminé dans les 10 premiers, de façon à représenter la France à Atlanta. Bah, ça semble plutôt bien parti.